Bonsoir à la une de l'actualité de ce samedi. Ouf de soulagement pour les proches de Kamlesh Soumoria. Cet officier de la Tsou a été retrouvé sain et sauf ce matin à Jinfei. Il n'avait donné aucun signe de vie depuis jeudi soir. À ce stade, les circonstances exactes entourant sa disparition demeurent encore floues. Le trentenaire est admis à l'hôpital du Nord et son état n'inspire pas d'inquiétude. La construction d'un flyover à la rue des Chartes devrait prendre fin en 2019. C'est ce qu'a indiqué le ministre Nando Boda lors d'une visite sur les lieux ce matin. Ce flyover aura pour but de fluidifier le trafic à la place d'Armes. Les yeux des amateurs de foot seront rivés au stade olympique de Kiev ce soir pour la finale de rêve entre le Real Madrid et Liverpool. Le club espagnol vise un troisième titre de rang historique alors que le club anglais est en finale pour la première fois depuis 2007. Le duel entre les stars Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo sera également suivi avec beaucoup d'intérêt. Rendez-vous donc à partir de 22h45 pour connaître les vainqueurs de ce prestigieux trophée. Merci de votre fidélité, l'Express envoie ses meilleurs souhaits à toutes les mamans.